C'est le jour numéro 15, les amis. C'est la nouvelle semaine. Le Bastien est tout dépressif. T'as mis quoi Regardez, toi? il est tout triste. Bon, les gars, c'est complètement incroyable. C'est le début de la troisième semaine. Est-ce que vous avez kiffé la semaine précédente? Je sais pas, et puis on s'en fout, de toute façon, on fait ça pour se taper des barres, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu vos retours, vous êtes des milliers à m'envoyer des messages, c'est faux, j'ai rien vu du tout, il y aura jamais de milliers de personnes, enfin on sait pas en vrai. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va encore avancer sur la veste, avancer sur le troisième morceau. Direct premier jour, je tombe sur quoi? Un petit sample de voix qui fait gna 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 gna. Et là, direct, j'ai démarré sur un truc instantanément. On verra, ça se trouve ça va pas du tout être ça le troisième morceau de la troisième semaine. Et c'est parti pour le jour numéro 15. Bastien, tu chies à la gueule à chaque fois, c'est pas... Réflexe. Réflexe. Arrête, réflexe. Arrête. Réflexe. 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 Les gars, Bastien il est triste. Envoyez-lui de la force dans les commentaires. À 200 000 pouces bleus, je lui offre une voiture. Bien sûr. Décalé. Coupin. Décalé. Ah, je sais pas comment ça va partir, soit ça part en drum and bass, soit ça part en trap, soit ça part en hardstyle, je sais pas quoi les gars, je sais pas où je suis de toute façon. Et vas-y que ça découpe de la mangue à tout bas. Ah oui, toi, quand tu dis que tu découpes de la mangue, tu découpes de la mangue juste pour toi. Non, j'essaie de savoir comment bien la couper. Parce que... Mais il y a plein de tutos ouais, sur internet pour couper une mangue. Mais... Je crois qu'il faut faire comme ça. Oh putain, le con. Oh Mugno. Oh le bâtard de... Bonjour. Ça va quoi? Enchanté, Hippolyte. Il est en call l'animal, faut pas faire de bruit alors. Salut à tous. Salut. J'ai bien étudié la communication stratégique. Get donc comment on finit bien ce jour 1 là. Non pas le jour 1, le jour 18. Non, c'était 7. Putain, je sais jamais quel jour on est dans le projet. Attends, on est lundi. 14, un jour, ça fait 15. 15e jour. Et là, boum, vas-y, fais-moi gicler ça dessus. T'es prêt? Ah, j'en veux pas! C'est vrai? Trop tard. T'en voulais pas? Non, c'est pas grave. Bah, je prends celle-là? Non, c'est trop chargé. Mais tu. Non, non, mais j'en veux en fait. Tu finiras demain sinon. J'en veux. Oh. Bon, là-dedans. Oh. Il est midi et demi. C'est faux. Ah oh, putain de mise au point de merde. Et c'est le jour 16. 14, 15. Mais mardi c'est le jour 15 les amis. C'est complètement incroyable, non? Ça change rien à ma vie, mais ouais. Le bonheur. C'est bon. Il fait beau. Les gars, je sens qu'il va se passer quelque chose. 5 euros. T'as le droit de recommencer. Putain, l'échec. Les enfants jouaient beaucoup aux jeux à gratter. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui nous permet de construire votre vie et de créer un vrai capital à tes souhaits. Ok. Je suis parti sur une autre idée, les gars, du coup. Okay. Je reste sur mon idée du glitch.
On est avec le bon vieux Antoine Kin, c'est complètement incroyable les gars. Et là, on est le jour 14, 15, 16, on est le jour 16, mais je vous l'ai dit toute la journée. En fait, tous les jours, je vous dis, on est le jour 16. Il va paniquer tard. Comment ça tu... Mais sur la vie de ma mère, fais attention. Mais gros, par contre, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Mais comment ça, je te parle comme ça, je te parle comme je veux. Ouais, trop bien, super. C'est pas drôle, hein. Non, mais cadre en tout cas. C'est pas drôle. Mais gros, mais cadrer en même temps, dire de la merde, c'est dur. Déjà, dire de la merde. Oh, je suis pas mal là. Oh putain. Quoi? Me dis pas que t'as oublié le disque dur, je sais pas quoi faire. Pire tu penses quand même. Mais ta gueule, qu'est-ce que t'as oublié? Ton ordi. Mon anime. C'est pas grave ça, des animes, il y en a partout dans la planète. Tu penses que ça marche? De quoi? Oh putain. Mais l'anime de quoi? Ton de, Mac? De mon ordi. Eh ben on va en trouver une. Ça ressemble à quoi le lambeau? Oh bah tu sais pas, c'est la merde. Mais non, là-haut ils en ont peut-être une, un PC. Mais de toute façon, tu me prends parce que t'as la main encore dans ton sac. Non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, c'est pas une blague. T'as oublié l'alimentation de ton sac. Ouais. De ton truc. Ouais. Parce que là, en fait, je vous explique, on devait finaliser le montage de la semaine 1 alors qu'on est déjà à la semaine 3, tu vois. Parce qu'en fait, ça prend énormément de temps à tout monter, ça prend du temps à tout faire. Regarde, montre-moi le trou, il ressemble à quoi? Ah oui, mais je vois pas là. J'y peux rien, moi. Mais y'a pas de trou là, qu'est-ce que tu me dis? Attends, je vérifie, mais non, mais je sais que je l'ai pas pris de toute façon. Mais personne a un trou comme ça. C'est pour ça que tu dis que c'est la merde. Mais c'est quoi ton PC de merde? C'est un PC gamer. Et c'est le seul à avoir ça, c'est pas universel? Mais j'en sais rien. Bon, les gars, je coupe et je lui nique, c'est mort. Bon, les amis, c'est la fin du jour 16, et c'est une soirée où on a parlé beaucoup de la vie. De la mort. De la mort, et en même temps la mort c'est la fin de la vie. Puis voilà, je sais pas, je vous ferai peut-être un débrief quand je serai tout seul demain pour vous parler de mes ressentis sur la mort. Puisque la mort en vrai c'est quelque chose de tabou alors que... C'est naturel. C'est naturel, même si c'est triste, et même si ça fait mal. On parle demain. C'est la pire fin, c'est la pire fin de journée. Les gars, regardez, moi je suis encore en vie, mais ça se trouve, au moment où vous allez voir cette vidéo, peut-être que je serai mort, et vous regarderez ces images en vous disant... Bah en fait il était un peu fun quoi, même s'il était un peu con. Trop fun. L'image c'est quelque chose de différent que de connaître quelqu'un par le cœur et les sentiments, les gars, etc. Du coup si je suis... Si à un moment vous voyez ça je suis mort, et ben faut vous dire que voilà... Alors, je sais pas, faites-vous votre propre avis. Je sais pas. Je pense que je suis quelqu'un de bien. Allez bisous. Et... Oh. Aïe, aïe, c'est le jour 17. Oh non, je suis pas bust aujourd'hui. J'ai envie d'être bust. C'est le jour 17, les amis, c'est complètement fou. Aujourd'hui, montage, trac, acheter du tissu. C'est le jour 17. Attends, tu peux repasser un coup d'aspi, enculé. J'ai fait quoi? T'as cassé des exploser des verres sur la table. Ah là, on coupe. Les gars, il sent plus rien, il a plus de goût, il a plus de truc, du coup on fait des tests. On lui a fait tester le pesto nature, la sauce tomate, le poivre dans son verre. Je lui ai mis du poivre et du sel en cachette dans son verre, il a rien senti le fou. Non, non, tu dois boire le jus à la bouteille. Non, comme ça, comme ça. Ouais, ça pique un peu. mais est-ce que t'as le goût? Ah non, j'ai pas le goût. Mais j'arrive pas à y croire. Ouais, c'est vrai. Du coup là tu sens pas ce que tu manges là? Non, mais je sais que c'est du sucre et puis mon corps il aime bien donc du coup je peux que manger du sucre. Ouais. C'est affreux. Tu veux un cornichon? De bouffe et tout qui est archi chaud en 3D. Et je vais bosser avec Cindy Godin qui est une artiste, tatoueuse, peintre, créatrice, enfin elle est hyper chaude. Pourquoi? Salut. Aïe. Allez. Putain mais tu sens fort. Ah c'est vrai? Mais oui je te sens bien. Mais je te jure, mais comme tu sens pas... Non. Comme tu sens pas... Ton odorat, et eh ben tu sens pas que tu pues, mais moi je te le dis. Et ben moi je prends une douche. Ah oui, mais son truc là. Les mecs de la dubstep, ils en font toujours trop de toute façon. Imagine là, tu m'as fait le coup du ouais, je te donne la chance. Imagine, il y a 500 000. En vrai, j'ai le seum d'être filé 250 000 euros. Mais non, mec. J'aurais pu les filer à mon daron, ma daronne, tu vois. Non, mais on pourra partir sur le projet, tu vois. Mais grave. Imagine vraiment, on gagne 500 000. Imagine vraiment, on gagne. Mec, on a la vérité, c'est incroyable. T'as pas beaucoup de chiffres un gagnant en vrai. Donc on aurait pas dû acheter du coup, c'est ça? Ouais, je savais. Comment? Tu fumes? Tu fumes de la weed? Ouais. Non, désolé, je fume pas. Pourquoi t'es désolé? Bah parce que c'est pas... Enfin mais j'aimerais fumer mais je ne fume pas. Mais... Ça me rend flemmard. Oui mais tu penses que moi je voulais pas? De la weed? Ouais. Ouais. J'en veux, je sais pas abandonner, je voulais que tu m'en donnes. Ah oui, ah bah ouais, mais du coup j'en ai pas, désolé.
C'était incroyable comme discussion. C'était fou. Verdict. Est-ce qu'il y a du goût? Je sais pas. Est-ce que tu reconnais le PNG là, avec la petite croix de ses morts? Réouverture prochaine. Mais ça c'est bien parce qu'en fait c'est super précis comme bah information. Oui. Bah c'est prochainement. Bon allez, on y va. On est le jour 2 et c'est parti pour le jour 2. C'est quoi le premier avis là? Qu'est-ce que t'en penses? Non mais si, donne-nous ton avis constructif même si c'est négatif hein. Non, c'est bien. Ok. Non c'est bien, après je crois que t'aimes beaucoup le caca, on l'entend beaucoup de fois et je m'en vais sur ces belles paroles. Tu pars? Ouais. Non. J'ai un avenir à créer. Ouais. Allez, adieu. C'est la fin du 17ème jour du Second Skin Project. Une semaine, une track, une vidéo, pendant 6 semaines, un EP. Là, c'est fou. Allez, bisous les amis. Oh. Allez là. Non. Ça fait 18 jours que je me filme tous les jours là. Ça fait 18 jours qu'il est en train de monter une pauvre vidéo lui. Bon, celui qui perd au Shifumi, il paye son chocolat chaud. Chocolat chaud? Ouais, et toi tu prends un café, ce que tu veux quoi. Bah non. Shifumi! Shifumi! Tu gagnes 500 000, tu me donnes 200 000. C'est vrai? Ouais. C'est dit. 33. Oh, j'ai gagné un truc. 10 balles. J'ai gagné 10 balles. Ouais. Tu dois 2 euros. C'est ta mère. Tu entends? Si t'as gagné 10 balles, t'as gagné 5 euros. Ouais, le premier épisode est fini d'être monté et il sort maintenant. Regardez qui vient d'arriver, c'est complètement incroyable. Le bon vieux SK de ses morts, extrait de moi et SK qui faisons du rock'n'roll ensemble. Saumon. Mais qu'est-ce que c'est? Hop là, directement, mais vous étiez cachés dans mes fesses. Les amis, on est le jour 19. Il s'est pas passé grand chose, je me suis juste mis à fond sur le son là, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé la petite vibe là qui fait plaisir. Et là, je suis en train de chercher du bon rock'n'roll histoire de bien niquer des mères. Et ça commence comme ça. Voilà, j'aime bien quand ça glisse comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tu veux pas dire un mot pour la fin du 19ème la fin du 19ème jour? Félicitations, le reste du monde. Demain c'est le 20ème. Allez, salut tout le monde. Les amis, c'est complètement incroyable. Nous sommes le jour 20. Ça va pas la tête. Et aujourd'hui c'est le premier jour du Second Skin Project. Non, c'est le premier jour du couvre-feu. Ah oui. Du couvre-feu. Et bon là on va aller boire un petit coup avec des potes. Et j'ai acheté du tissu aussi les gars, parce qu'on avait eu un petit problème de tissu avec la Cindy de ses morts là. Petit problème de featuring de... Et voilà, allez c'est reparti mon kiki. Wow. Oh bah merde. Hop là, c'est complètement incroyable. Putain, j'en ai marre. Transition dans mon fion, les amis. Vous connaissez très bien cette transition. Je me mets comme ça, ça vous va? Tu t'en bats les couilles hein, de toute façon, puisque là je suis en train de parler tout seul. Donc tu as arrêté de me casser les couilles. Les amis, on est le jour 21. Le dernier jour du 3ème épisode du Second Skin Project, où je vous montre ma vie nulle. Et voilà.
Hier, j'ai pas pu vous filmer, les amis, parce que j'ai rien filmé en fait ce week-end parce que j'étais avec la Mifa. Donc là, on va terminer le troisième morceau. Sensei. Couvre-feu, 21h, plus droit de sortir. Bing, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Bah, tu vas rien faire, Narvalo. C'est le moment de faire des petites dates avec vos petites go, vos petits crushs, les amis. 20h30, tu passes à la maison. 21h, t'es bloqué toute la nuit, Narvalo. Hein? On peut plus s'échapper, la Gadji. C'est une blague, hein. Bien sûr, faites pas ça. Respectez les femmes, respectez les hommes, respectez-vous tous, respectez les animaux, respectez la planète, respectez vos grands-parents, respectez les morts, respectez les vivants, respectez le voisinage. Voilà, ça c'est un truc qu'on fait peut-être un petit peu moins, peut-être penser à baisser la musique. Vos ambitions, respectez vos regrets, les regrets dans la vie ça arrive, il faut savoir vivre avec. Respectez vos ambitions, respectez... Allez, on enchaîne, c'est parti. Waouh, attention, transition dans mon oreille. Waouh. Hey, salut. C'est le Hippolyte du futur. Alors les amis, j'ai oublié de vous faire l'outro, faites pas attention à ma tête. J'ai oublié de faire l'intro de la troisième semaine, du coup j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Voilà, moi je me porte bien, j'espère que vous vous portez bien. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie de mon projet musical. Et j'espère que je suis content et que vous êtes content et vous avez passé un bon moment. Allez, au revoir à tous et merci de moi.